Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le Flappin' Popple de Barbie. On va l'essayer. Donc pour commencer, on va remplir l'eau avec la piscine avec de l'eau. Donc pour cela, je mets une tasse d'eau à l'intérieur de cette piscine violette. Voilà. Je mets encore un verre d'eau. Voilà. Et nous maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, on a le petit chien qui est déjà positionné sur le plongeoir. Là, on a un petit levier. Et voilà, quand on l'actionne, ça fait une sorte de catapulte. Et hop, on y va, on met le chien. Youhou! Donc, on va le mettre plus en arrière, on va voir ce que ça donne. Attention, on y va. Là, il a fait un saleté, je sais pas si vous l'avez vu. Là, donc on recommence. Donc là, il a 1, 2, 3, donc là, voilà, il saute normalement. Par contre, si on le met un peu plus vers l'arrière, comme ceci, eh bien, il fait un salto. Regardez bien. 1, 2, 3. Vous avez vu? Bon. Ça, c'était la catapulte. Donc voilà, si on le met dans l'eau comme ça, et ben voilà, on appuie, on met sous l'eau et ensuite on appuie dessus à nouveau et il crache de l'eau. Hop. Donc maintenant on va s'intéresser au toboggan. Donc là, on a aussi une sorte de petite manivelle qu'on peut actionner. Là, on a notre petit chien qui est fait en plastique, lui. Hein. C'est pas aussi, pas moelleux comme l'autre, il est pas un peu élastique. Celui-là est dur. Donc on l'assoit comme ça. Et puis on va le faire glisser. Attention. Ouh! Vous avez vu? Donc je vais vous montrer tout ça encore une fois. Donc voilà, je l'assois, je baisse les pattes comme ça, je le mets sur le toboggan et hop, et on y va. Donc là il a fait aussi un salto, j'espère que vous avez bien vu. Donc maintenant on peut le mettre aussi sur la petite bouée, le petit coussin. Et on va le faire descendre le toboggan. Wow! Donc là, il a fait un strike sur l'autre chien. Donc je sors à nouveau le petit coussin et je mets le petit chien gris dessus. Attention! C'est parti! Ah, lui, il reste bien sur le coussin. Il n'a pas fait de salto. Donc, je pense qu'avec le coussin, c'est compliqué de faire un salto. On va voir en appuyant sur la petite manivelle, on va sortir la petite dent. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça se fonctionnera mieux. 1, 2, 3. Non, toujours pas. Le chien a été éjecté du coussin, mais c'est tout. Bon, on va essayer maintenant avec la Barbie. On l'assoit.
Barbie, tu es prête? Attention, c'est parti! Oui, bon, Barbie ne fait pas de salto. On va essayer avec une nouvelle remontée. Voilà, il y a la dent. Wow! Là, c'était un petit peu chaotique. Bon, on va recommencer avec ce petit chien. On l'assoit bien. On laisse ça en bas. Et voilà. Donc, on va un petit peu essorer ses cheveux. Voilà, on peut... Tout est en plastique aussi, donc c'est assez... Voilà, donc voilà le dauphin, on peut tirer de l'eau avec. Ah non, on peut pas le presser parce qu'il est dur. On peut le remplir d'eau. Par contre, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Donc là, oui, il y a un trou aussi dans le pied de Barbie, donc l'eau peut entrer à l'intérieur de sa jambe. Donc. Ah, en fait, on appuie comme ça sur, on appuie sur le canard, sur la bouée. Pendant que le pied est dans l'eau, et ensuite l'eau va rentrer, et c'est comme ça que l'eau sort du dauphin. C'est assez rigolo comme c'est fait. Donc voilà, en fait, ça passe par le pied, puis on appuie sur la bouée qui est matière molle, et puis l'eau remonte. Et sort par le dauphin. C'est assez rigolo comme c'est fait. Donc voilà, on a une Barbie qui est toute mouillée. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Aimez-la. Laissez-moi un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut !